Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer la deuxième partie de la suite de l'histoire de Lai Shen. Et on va avoir au final, j'avais prévu d'en faire une seule vidéo, enfin de faire ça en deux vidéos du coup, mais on fera ça en trois vidéos. Et oui, parce que on a plein de choses à dire et je me suis dit que ce serait plus digeste de faire une partie spécifique sur ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire l'essor de l'Empire Mogu et sa rencontre avec un autre empire qui est probablement le deuxième. Enfin, même, de toute façon, l'autre empire le plus puissant de son époque et de sa période, c'est ça, c'est-à-dire l'Empire Zandalari, qu'on avait vu dans une autre vidéo également. Donc, la rencontre, je le rappelle, hein, on s'était arrêté là-dessus, la rencontre Mogu-Zandalari est vraiment unique dans Warcraft, puisque c'est deux superpuissances qui se jaugent d'entrée sans en venir directement aux mains et à la confrontation directe. Et ça, c'est assez intéressant. Et justement, avec ce respect mutuel, mais teinté aussi de méfiance et cette crainte d'un anéantissement mutuel surtout, qui peut bien sûr rappeler la guerre froide ou autre. Enfin, sauf que là, on n'a pas vraiment d'opposition. Même s'il y a une crainte mutuelle, il n'y a pas vraiment d'opposition. Et du côté du coup des Zandalari, parce qu'on les avait un petit peu oubliés avec l'essor de Lai Shen et la montée en puissance de l'Empire Mogu et de l'unification Mogu, pendant les conquêtes de Lai Shen, du coup, l'Empire Zandalari continuait de s'étendre et vivait tout simplement sa période dorée, hein, la victoire sur les empires Akir, enfin l'Empire Akir tout court, avait permis aux Zandalari de rester maîtres du monde, hein, j'ai envie de dire, même si c'est vrai qu'il y a eu pas ce dysfonctionnement, mais ce fractionnement de pouvoir avec l'essor également des autres empires trolls, à savoir les Gurubashi, les Amani bien sûr, et au final les Drakari, eh bien malgré tout, les Zandalari restent en tête, tout simplement, de l'ordonnancement des empires trolls. C'est tout simplement en cas de... Ils servent d'arbitre, encore une fois, entre les différents empires, et l'Empire Zandalari, avec la rencontre des Mogu qui s'étendent toujours plus vers le nord, et bah du coup les Zandalari, eux, ils s'étendent un petit peu vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, hein, tout en restant sur la chaîne de montagnes Zandalari, de Zandalar plutôt, eh bien on va avoir justement cette rencontre directement, hein, cette rencontre du troisième type, devrais-je dire, avec l'arrivée, la perception d'un rival potentiel. Et les Zandalari vont être extrêmement curieux à l'égard justement du roi tonnerre, à savoir Lai Shen. Et c'est notamment le chef du conseil que vous voyez juste ici, le chef du conseil Zanshuli. Hein. Je rappelle, l'Empire Zandalari est dirigé par un roi, mais les ministres, on va dire le conseil des ministres, qui a un pouvoir très important de décision, c'est un peu les ministres Zandalari, et Zulatra est en gros le premier ministre. Sauf que le premier ministre a énormément de pouvoir, hein, pouvoir décisionnaire, pouvoir législatif, etc. Enfin, il y a énormément de pouvoirs liés justement au conseil Zanshuli. Le roi ne peut pas régner sans le conseil Zanshuli. Et au final, eh bien, c'est Zulatra qui va justement diriger, le haut prêtre Zulatra va diriger les échanges diplomatiques avec l'Empire Mogu. Et c'est vraiment la première fois, voilà, que ces peuples, puisque les trolls vivaient entre eux, même si c'était d'autres trolls, ils vivaient entre eux, il n'y avait pas eu cette rencontre avec vraiment une race aussi avancée, aussi développée, et qui pouvait tenir tête à leur force. Donc au final, un pacte de non-agression va être signé entre les deux puissances, les deux superpuissances, je devrais dire, et le haut prêtre Zulatra va justement prononcer un discours, un discours, tout simplement, au palais du roi tonnerre à Kunlai. Et oui, je le rappelle, hein, attention à ne pas vous faire avoir, la Pandarie à l'époque n'existe pas encore, il n'y a pas eu de mer, etc. Donc, le palais du roi tonnerre, l'île du roi de tonnerre n'était pas une île, c'était juste une montagne qui reliait avec le Kunlai. Donc, attention, à l'époque, hein, tout était relié. Donc, il va nous dire quoi? Il va nous dire tout simplement, Zulatra, nos empires peuvent se détruire mutuellement, mais dans une guerre opposant la force à la force, le survivant serait affaibli et pourrait même succomber à des créatures bien plus faibles que lui. Ce serait une tragédie qu'aucun d'entre nous ne souhaiterait. Dos à dos, les Mogu et les trolls se tailleront une place de premier plan parmi tous les autres peuples. Ensemble, nous serions inarrêtables. Donc là, vous voyez vraiment ce rapport de force, l'idée qu'il y a cette compréhension d'une peur, d'une appréhension, d'une destruction mutuelle. Mais en plus de ça, on a aussi cette volonté. Je veux dire, les Zandalari, on leur donne un petit surnom, c'est les hauts trolls. C'est pas pour rien, c'est aussi qu'il y a ce sentiment de supériorité quand même vis-à-vis des autres peuples. Les Zandalari vivent leur âge d'or, ils considèrent que, bon, ils peuvent pas le savoir à l'époque bien sûr, mais ils considèrent qu'ils sont au-dessus des autres empires trolls d'ailleurs. Et à raison, à tort ou à raison, mais à raison, hein, les autres empires trolls considèrent les Zandalari comme, pas supérieurs, mais comme un organe politique très important et surtout diplomatique. Donc au final,
ils vivent justement cette supériorité. Pour Lei Shen et les Mogu, c'est exactement la même situation. Donc, Lei Shen est également intrigué de son côté par les Andalari. Il voit qu'ils ont un accès à énormément de connaissances, notamment les connaissances du monde. Et oui, puisque même si Lei Shen les juge inférieurs, puisque ce ne sont pas déforgés par les titans, ce ne sont pas des enfants des titans, mais il reconnaît en eux des qualités indéniables, dont des connaissances incroyables, comme je l'évoquais, au niveau magique, bien sûr, des magies, de la magie qu'il n'a pas forcément, auquel il n'a pas forcément accès, lui, en tant que forgé par les titans, ou les plus versés dans l'art des arcanes. Mais en même temps, on a également des grandes connaissances géographiques. Et oui, on l'avait vu avec la vidéo sur l'Empire Zandalari et les trolls. Bah, en fait, les trolls ont pas mal baroudé hein, par-delà le monde, notamment dans la Grande Guerre contre les Akir, ce qui fait qu'ils ont un accès à une cartographie et aux autres endroits du monde que les Mogus n'ont pas. Et oui, les Mogons, encore une fois, ce sont des protecteurs, on l'a vu sur la vidéo précédente, et ne connaissent pas le monde aussi bien que peuvent le connaître les Zandalari. Donc, il y a cet échange d'informations et les deux empires peuvent mutuellement s'entraider afin de s'améliorer. Ce qui fait que Lei Shen va alors entamer de plus profondes relations diplomatiques. On était sur un pacte de non-agression, j'ai envie de dire. On va monter, on va essayer de s'enrichir diplomatiquement avec des délégations qui vont venir visiter les terres de l'Empire Mogu. Alors malheureusement, Chronicles n'évoque pas le fait que... Enfin, on voit que d'un côté, parce que ça sert le récit, il est... C'est pas dit, mais il y a de grandes chances quand même que cet échange ait été, on va dire, basé sur tout simplement un miroir. Donc, les Mogu vont probablement visiter Zandalar, même si on n'a pas de preuves là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Zandalari, eux, vont envoyer une ambassade, une délégation, justement, qui sera invitée par Lei Shen à visiter les splendeurs et les somptueux monuments des protecteurs du Val, hein, bien sûr, des Mogu, qui ont été, je le rappelle, bâtis par des esclaves. Point important, on y reviendra un peu après. Donc il y a quand même des chances que Lei Shen ait aussi vu Zandalar et les merveilles de Zandalar. C'est également lors de ces visites, justement, de la délégation Zandalari, qu'ils vont découvrir, justement, les artefacts. Lei Shen leur montre un petit peu une partie de son catalogue, j'ai envie de dire. Imagine, Lei Shen en guide touristique, c'est quand même excellent. Alors, sur votre gauche, vous avez tout simplement la cloche divine, bien sûr. Donc, c'est tout simplement les trésors et artefacts déforgés par les titans qu'il a pu rassembler. Notamment la cloche divine. La cloche divine, on en reparlera dans une prochaine vidéo et surtout dans la vidéo sur Mist of Pandaria, puisqu'elle aura un rôle très important à jouer. Donc c'est quoi la cloche divine? C'est une pièce de métal, hein, donc une gigantesque cloche, un immense gong, qui permet en fait tout simplement d'alimenter la colère et la haine dans le cœur des Mogu afin tout simplement d'augmenter leur combativité sur le champ de bataille. Mais en même temps, cette cloche que l'on appelle, alors désolé pour la prononciation, c'est Shen Xing normalement, puisque c'est Shen King avec un K, avec un Q pardon, donc normalement ça se prononce Xin, donc Shen Xing probablement. Elle sème également du coup la peur et le doute sur les adversaires, c'est-à-dire que ceux qui ont fait sonner la cloche voient leur combativité augmenter, ceux qui affrontent les possesseurs de la cloche voient justement le doute et la peur les submerger, et bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait la Pandarie, etc., vous savez à peu près sur quoi on va partir, mais à l'époque, c'est complètement contrôlé par Lei Shen, et donc, comme vous le comprenez, on y reviendra beaucoup plus tard. Du coup, mais gardez cette image à l'esprit. Lors de la visite également, les Andalari, du coup, voient également le côté culturel, et ils vont être choqués justement par certaines différences culturelles et certaines choses qu'ils considèrent comme barbares, voire primaires, avec notamment l'utilisation massive d'esclaves. Et oui, l'utilisation d'esclaves est proscrite chez les Andalari. Alors les Andalari ont leur lot de torts également, mais c'est pas une pratique qu'ils encouragent, loin de là, les Andalari. Donc voir une utilisation massive d'esclaves, ça les fait, ça rappelle aux Andalari le fait que les Mogu au final sont pas si différents des autres empires trolls et qu'ils n'ont pas vaincu l'esclavage, donc ils sont potentiellement un peu plus barbares qu'eux-mêmes. Ça les conforte aussi dans leur sentiment de supériorité. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est aussi le fait qu'il y ait peu de femelles visibles du côté de la civilisation Mogu. On n'en a pas énormément, hein, et
même si ce ne sont pas forcément les deux seuls, il y a très peu de femmes Mogu, et à l'heure actuelle, ce passage de l'histoire est assez flou, on va pas se mentir, mais on a par exemple les jumelles concubines qui sont considérées comme un trésor du côté de Lei Shen. Lei Shen, je le rappelle, dans la précédente vidéo, Lei Shen, j'ai pas mal montré que c'est un personnage très nuancé, qui a beau être un esclavagiste, un seigneur de guerre, donc qui a tué, etc., il a quand même... ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est très nuancé. Au final, il fait des choses horribles, mais au moment où on pourrait dire il est très 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 méchant, eh ben, il fait des choses auxquelles on ne l'attend pas forcément. Et vous verrez que dans cet épisode, c'est également le cas. Mais faut pas oublier quand même que c'est un gros connard. Et, et au final, bah, par exemple, sa position vis-à-vis de la femme, maître esclavagiste, qui a réduit en esclavage plusieurs races, et derrière, plusieurs espèces du coup, et également... Eh bien, sa position vis-à-vis de la femme. Alors, il y a problème, c'est qu'il y a très peu de sources écrites, donc moi je vais pas essayer de partir dans les théories hautes, mais en tout cas, on sait que par exemple, les jumelles concubines, c'est vraiment ses trésors, donc c'est le patriarcat là, hein, le patriarche qui récupère les deux femmes, sachant que c'est même pas des femmes Mogu existantes, il s'est servi des moteurs de Nalaksha, etc., pour créer ses concubines. Donc, encore une fois, dans le côté très, j'ai envie de dire, dictatorial de Lei Shen, on a passé un niveau. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de messages également dans la vidéo précédente. Lei Shen n'est pas un personnage positif. Il est un personnage nuancé, c'est-à-dire qu'il fait des choses très intéressantes d'un point de vue scénaristique et autres, et d'un point de vue il n'est pas tout noir ou tout blanc, Lei Shen. C'est un personnage détestable sur certains points, notamment son traitement de la femme et le traitement des autres races. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, un méchant de ce type, bah, il en a rien à foutre de son propre peuple, etc. Ce qui n'est pas le cas, donc ça le rend intéressant. Me faites pas dire des trucs que j'ai pas dit. À côté de ça, malgré justement le choc auquel sont confrontés les Andalari, ce choc culturel, j'ai envie de dire, les Andalari veulent garder justement de bonnes relations parce qu'ils se méfient des Mogu. Et cette méfiance, elle est mutuelle, on va pas se mentir. Donc au final, dans leur tête, c'est « bon, c'est des barbares ». Mais c'est pas grave, c'est leur culture, nous on va pas ingérer sur leur pratique. Et de son côté, Lei Shen va également cacher certains éléments, comme la présence par exemple de Raden sous le palais du roi Tonnerre, donc la cité interdite dans laquelle Lei Shen a accueilli la délégation Zandalari. Donc il y a littéralement Raden qui est là, en bas, on l'imagine, il est tout en bas dans le caveau. Et à côté de ça, donc, ils vont conclure un accord d'amitié et de partage mutuel. Donc comme on l'a dit, la magie arcanique qui va être enseignée aux trolls, Zandalari, notamment par les Mogu, notamment aussi le fait de pouvoir rallonger l'espérance de vie des dirigeants Zandalari. Et en échange, eh bien, les Mogu vont avoir accès à beaucoup de connaissances, notamment de la géographie. Ils promettent également des terres aux trolls, Zandalari. Et les Andalari vont leur apporter aussi leurs propres connaissances magiques. Comme je l'ai dit, hein, les Mogu apprennent plutôt ce qui est arcanique. Les Andalari, eux, ils ont un collège de magie très vaste, varié grâce au Loa. Donc au final, il y a un échange, en fait, tout simplement culturel, de connaissances et autres. Ce qui est intéressant, c'est que Chronicles ne précise pas si Lei Shen a montré les moteurs de Nalaksha aux trolls. Pour le coup, ça, on n'en sait rien. Donc... honnêtement, moi je vais même pas me prononcer parce que déjà on n'a pas d'éléments tangibles, mais je vois tout à fait Lei Shen montrer les moteurs de Nalaksha, et d'un autre côté il y a les mêmes raisons pour ne pas les montrer. Donc j'en sais rien, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais c'est vrai qu'on n'a pas de... on peut pas, c'est juste de la théorie, parce que c'est juste et même des hypothèses, parce qu'on s'appuie sur rien en fait. Juste de ce que l'on sait, et de ce que l'on sait, on sait pas. Donc à côté de ça... ce qui est intéressant, c'est que c'est un double accord. C'est à la fois une alliance militaire qui est entendue par les deux parties, mais en plus de ça, eh bien, il y a un accord secret. Un accord secret qui cache plusieurs éléments. Tout d'abord, le pacte justement concernant la résurrection de Lei Shen. Et oui, si Lei Shen venait à mourir, étant donné que c'est un dictateur, on va dire, qui est un petit peu parano, qui est souvent un pléonasme pour un dictateur, mais en cas de mort, Lei Shen ne fait pas forcément confiance. Il a la confiance dans certains de son état-major et dans ses proches, mais il n'a pas une confiance aveugle envers eux. Donc il a peur que si jamais... en fait, c'est quelqu'un de très intelligent, Lei Shen, donc il voit loin et il se dit si jamais je venais à mourir, et par exemple, il ne s'imagine pas perdre contre une autre puissance,
il voit plutôt que si jamais le seul moyen pour lui de perdre, ce serait d'être trahi, un petit peu ce qui est arrivé à Raden, hein, on va dire. Hein. Il craint que quelqu'un lui fasse ce qu'il a pu faire à Raden et le frapper sans qu'il soit prêt. Donc, dans cette absence de confiance envers ses propres Mogu et notamment ses craintes concernant l'héritage si jamais il venait à mourir, le fait que sans lui, après moi la tempête, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que Lai Shen, en cas de mort, l'Empire Mogu se repasserait dans un âge sombre, il devrait s'entretuer pour lui trouver un successeur. Donc justement dans cette logique, il va vouloir faire en sorte de conclure un pacte avec les Andalari et que les Andalari puissent justement le ressusciter grâce à leur pouvoir, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais comme je l'ai dit, chacune des parties va garder certains objectifs secrets, puisque les Andalari veulent des terres près du Val de l'Éternel Printemps, pas dans le Val, hein, bien sûr les Mogu n'accepteraient jamais ça, mais près du Val, et en l'occurrence, chacun a potentiellement certains plans, si jamais l'autre ne respecte pas ses engagements et autres. Il y a quand même encore une fois cette méfiance mutuelle malgré cette admiration mutuelle aussi, donc on se garde la possibilité de pouvoir trahir l'autre, même si cela n'arrivera jamais dans l'histoire de Warcraft. Donc ça c'est aussi assez intéressant. Au final, grâce aux relations pérennes entre les Mogu et les Andalari, hein, ces échanges culturels, eh bien on va avoir tout simplement une révélation du côté de Lai Shen, puisqu'il va découvrir l'existence d'autres forgés par les Titans, notamment les Tolvir à l'ouest, et les Tolvir de l'ouest, devrais-je dire même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre qu'il y a d'autres complexes titaniques, puisque c'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais lui, en fait, et toute sa race, est restée dans le Val de Terre de Printemps et a gardé le complexe des moteurs de Nanaksha. Donc, ils n'ont jamais vu d'autres forgés par les Titans, à part les envoyés de Loken. Donc, et bon, c'est pas un bon souvenir. Donc, il y a très peu d'échanges, en fait. Ils sont jamais vraiment sortis. Les Mogu ont toujours été des protecteurs, pas forcément des envahisseurs. Alors vous allez me dire, ils ont envahi, ils ont asservi les autres races. Oui, mais des races locales. Là, du coup, grâce aux trolls, il y a cette accession, cette accessibilité à un savoir qui les dépasse complètement. Et au final, Lai Shen, mais aussi les Mogu, sont extrêmement heureux de découvrir qu'en fait ils ne sont pas les seuls forgés par les Titans et qu'il y en a d'autres. Les Tolvir, c'est la première grande nouvelle, les Tolvir de l'Ouest, les Tolvir d'Uldum, et donc ils vont envoyer des émissaires justement à Uldum, et ces émissaires vont lui rapporter le fait que la situation elle est critique pour les Tolvir. Malédiction de la chair notamment, hein, la malédiction de la chair qui détruit la civilisation Tolvir, tout simplement mortalité, guerre intestine, on a tout simplement aussi guerre maladie, famine, etc. Enfin, et encore je dis famine, mais pas vraiment à ce moment-là, mais c'est un merdier sans nom pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un rapprochement qui est fait, puisqu'en fait, les Tolvir sont dans le même état que les Mogu avant les chaînes. Guerre civile, mortalité, peur de l'autre, peur de guerre de pouvoir, etc. etc. Donc, les chaînes limite se voient, en fait, déjà qu'ils reconnaissent des frères, puisque ce sont aussi des forgés par les Titans. Et ce qui est intéressant, c'est que Lai Shen considère que les Mogu sont au-dessus des trolls. C'est pas le cas envers les Tolvir. Il y a ce sentiment fraternel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est encore plus doublé dans le fait que les Mogu se visualisent un petit peu et ont l'impression que les Tolvir sont dans leur passé, sont dans le même état qu'ils ont pu être avant l'arrivée de Lai Shen. Ce qui rend encore plus... ce qui sacralise encore plus Lai Shen. C'est sans Lai Shen, voilà dans quoi on pourrait être aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, aussi, pareil que les Mogu, les Tolvir sont dans l'attente d'un retour de leur maître, à savoir Ra ou Raden. Donc, il y a ces guerres civiles intempestives, hein, ce moment, on va dire, terrible pour les Tolvir. Et au final, Lai Shen va justement montrer encore une fois que c'est un personnage assez nuancé, puisqu'il va être vraiment le diplomate. Il va accueillir glorieusement, hein, vraiment accueillir à bras ouverts la délégation Tolvir, hein, que ses émissaires ont envoyé justement en mode « L'Empereur vous accueille, venez, les différents clans Tolvir envoient des ambassadeurs » et au final, puisqu'ils ne sont pas unis, et au final, eh bien l'Empereur les accueille à bras ouverts et avec beaucoup de gloire. C'est presque un triomphe, j'ai envie de dire, c'est les frères perdus sont de retour. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce traitement à égalité. Il ne voit pas une supériorité de l'Empire Mogu vis-à-vis des Tolvir, il voit justement, il a envie de montrer en fait, c'est comme s'il découvrait sa vraie famille qu'il avait perdue, et donc il redécouvre sa vraie famille. Et donc, dans cette idée d'un enfant qui redécouvrirait un frère ou un cousin, enfin plutôt un frère ici ou une sœur, eh bien,
il y a cette volonté de montrer justement, voilà, regardez nous, nos complexes, notre complexe Stannis qu'on a protégé pendant des siècles, etc. Regardez ça, et il va leur montrer justement les splendeurs de son empire. Ce qui fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est que bah, il n'avait pas montré autant de choses aux Andalari, et là, il va aller plus loin. Les Andalari étaient des alliés de circonstance, mais ce n'était pas les siens, ce n'était pas sa famille, ce n'était pas des enfants des Titans. Et au final, les Tolvir vont justement être époustouflés par les prodiges de l'Empire Mogu, hein, notamment les grands, grands bâtiments, les grandes bâtisses, les grands monuments justement à la gloire de l'Empire, mais ils vont être également horrifiés par le traitement des races locales, notamment les Pandaren, les Jinyu, les Ozen, etc. On les a déjà listés sur la vidéo précédente. Donc, ils voient ça comme une insulte à la vie, hein, vraiment une insulte à la vie elle-même. Leur priorité, en tant que Tolvir, reste la protection de l'œuvre des Titans. Donc d'un côté époustouflé, de l'autre horrifié, mais de toute façon, la finalité, la conclusion, c'est de se dire, bah, nous, en fait, notre rôle, notre objectif, hein, de génération en génération, ça a toujours été de protéger l'œuvre des Titans. À cela, Leishen répond, bah, c'est tout à fait logique, au contraire, vous êtes encore plus nos frères là-dessus, puisque nous aussi, notre objectif, ça a toujours été de défendre le Val de l'Éternel Printemps, et les moteurs de Nanaksha. Donc, pas de problème. Leishen partage cet avis et il veut intégrer justement les Tolvir à son empire, et pas que les Tolvir, mais aussi les complexes titaniques. Donc l'unification Tolvir-Mogu dans un seul et même empire, Leishen dirigerait cet empire, mais les Tolvir auraient un rôle extrêmement important. Et au final, Leishen va justement leur montrer, il leur partage encore une fois des infos confidentielles qu'il n'avait même pas montrées aux Andalari. Notamment l'état de Raden, l'état de Ra. Hein, il leur promet justement aussi une ère glorieuse, hein, puisqu'il voit que les Tolvir s'entre-déchirent et qu'ils passent un moment difficile. Donc il peut leur proposer justement, grâce à ses pouvoirs, de vaincre la malédiction de la chair, de faire en sorte que leur empire soit éternel et de fusionner les deux empires. Avec les moteurs de Nanaksha, ils pourraient également forger de nouvelles armées Tolvir, etc. et récupérer justement les autres complexes titaniques afin de mieux défendre Azeroth de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Donc ça, c'est vraiment le grand projet pour Leishen. Et là, à cela, les Tolvir ne comprennent pas, en fait. Malgré toutes les promesses d'avenir, justement, que Leishen leur fait, encore une fois, c'est un peuple... Là, faut imaginer que les Tolvir sont pas bien du tout, vraiment pas bien. Ils sont au bord du gouffre à ce moment-là. Les Tolvir, malgré tout, sont furieux. Furieux et crient au blasphème par rapport à ce que dit Leishen. Eux, ils attendent le retour de Raden, comme les Mogu avant lui, sauf que la différence, c'est que ils l'attendent encore, et en fait, ils se rendent compte que bah, ils l'ont attendu pour rien, parce que Leishen l'avait buté, en gros, quoi. Alors, bien sûr, Raden n'est pas mort, hein. Raden est toujours dans le caveau, mais pour eux, bah, Raden a été tué par Leishen. Donc, c'est infernal, c'est un blasphème, c'est une hérésie. Donc, au final, ils vont retourner à Uldum pour faire connaître la nouvelle, justement, aux leurs, et se préparer notamment justement aux répercussions que leur comportement pourrait amener. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce que Leishen, encore une fois, on va avoir aussi la nuance du personnage, puisque Leishen, à ce moment-là, pourrait les tuer, en fait. Pourrait tout simplement les tuer et dire, bah écoutez, on va s'emparer de la... on va s'emparer d'Uldum par la force. Au final, pas du tout. Leishen laisse les ambassadeurs partir. Alors que, bon, Leishen, on le connaît, hein, je veux dire, assassinat politique, etc. Donc... pour le coup, c'est quand même assez... c'est pour vous montrer à quel point il tient les Tolvir en haute estime. Parce qu'il les laisse partir. Il les laisse partir, mais c'est pas pour autant qu'il va renoncer à ses projets. Il renonce pas du tout au futur glorieux qu'il a promis aux Tolvir. Si jamais ça ne marche pas par la diplomatie, ça marchera alors par la force. Donc, il mettrait ses plans en exécution afin de récupérer Uldum. Et je rappelle, Uldum, tout simplement avec la vidéo sur l'ordonnancement d'Azeroth, vous le savez, c'est... en son sein réside la forge des origines, la forge de l'origine. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire la forge des origines, la forge de l'origine. Et Leishen a pu voir, et notamment grâce aux informations glanées par ses émissaires, il sait que les Tolvir sont dans un état pitoyable. Donc au final, il ne craint pas du tout les Tolvir, et il est certain de sa victoire militaire. Et ça, c'est intéressant, parce que face à la menace Mogu, pendant ce temps, hein, à Veracruz, pendant ce temps à Uldum, l'unification des Tolvir va... en tout cas, une partie de l'unification Tolvir va être faite. Différents clans Tolvir vont cesser leur guerre face à la menace que représente l'Empire Mogu, qui vient pour
détruire, enfin il a détruit leur dieu, etc. Ce qui va rapprocher les différents clans Mogu, qui vont s'unifier et qui vont se préparer à la guerre à venir. Et ça, c'est assez important. Alors on ne sait pas si tous les clans ont été unifiés à ce moment-là, il y a de grandes chances que non d'ailleurs, mais une grande partie en tout cas des clans Tolvir vont se réunir. Pendant ce temps, donc ça c'était du côté d'Uldum, de l'autre côté à l'ouest, on retourne à l'est, les mois passèrent, voire les années, et c'est ce temps qui va être mis à profit afin tout simplement d'assembler la grande machine militaire implacable des Mogu, celle qui a mis à genoux ce qu'on appellera plus tard la Pandarie, à savoir celle qui a mis à genoux les différents peuples composant son empire, et il va frapper un grand coup, il va frapper avec fracas, il veut frapper avec fracas en tout cas les défenseurs Tolvir. Les armées Mogu sont innombrables à ce moment-là, c'est tout simplement une grande partie des armées des soldats de pierre qui forment le gros de l'armée Mogu, hein, pour encore une fois faire en sorte que les vrais Mogu ne se perdent pas, et justement les vrais Mogu forment l'élite de l'armée, les officiers tout simplement, et forment aussi la garde expérimentée de Leishen. Donc ça représente des légions entières de Mogu, certains de pierre et d'autres normaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est probablement la plus grande force armée de son époque. Et à ça va s'ajouter autre chose, parce qu'il était temps justement pour que la nouvelle alliance Zandalari et Mogu se mette en branle. Tous ces pactes, toute cette diplomatie, elle doit servir à quelque chose. C'est l'occasion de faire une démonstration de force et de faire en sorte que cette alliance Zandalari-Mogu, l'union des deux empires, pour la première fois puisse agir de concert militairement parlant. Leishen justement avait permis, comme je l'avais dit plus tôt, au conseil Zanchuli, notamment à Zulatra, de voir leur vie rallongée artificiellement grâce à sa magie et grâce à ses pouvoirs. Il était temps pour les trolls de respecter tout simplement leurs engagements. Et c'est le moment où Zulatra et les trolls vont répondre, et pas qu'un petit peu, puisqu'ils vont envoyer le conseil Zanchuli au grand complet, dirigé par Zulatra. Zulatra a finalement d'excellents rapports avec Leishen, même si, encore une fois, il y a cette crainte mutuelle, il y a aussi cette admiration mutuelle. Et pour le coup, les trolls Zandalari vont respecter leurs paroles. Ils vont arriver avec le conseil Zanchuli au grand complet, mais pas que. Donc, je rappelle, le conseil Zanchuli, c'est l'organe politique principal de l'Empire Zandalari et les ministres, en gros, de l'Empire. Mais en même temps, avec eux vont arriver la fine fleur des armées trolls et de l'armée des armées de Zandalar. Donc on va avoir, imaginez les armées de Zandalar qui partent se réunir avec les armées Mogu. À l'époque, il n'y a pas la Grande Mer, donc on n'a qu'un seul continent qui s'appelle l'ancienne Kalimdor. Imaginez le trajet vers l'ouest qui dure des semaines, voire des mois, avec des armées à perte de vue, des armées Zandalari, même si elles sont plus mineures que les armées Mogu. Mais ça doit être un spectacle assez incroyable et en même temps horrifique, j'ai envie de dire. Surtout pour leurs adversaires. Et au final, ça va être justement, encore une fois, l'élite des deux peuples, l'élite des deux plus puissants empires de leur temps, qui se mettent en route justement vers l'ouest, vers leur destin. Puisque, une fois les Tolvir matés, ce sera l'occasion de repartir vers les autres complexes titaniques. Au final, les Tolvir ont un plan. Puisqu'ils constatent par eux-mêmes la supériorité militaire de l'alliance Zandalari et Mogu, ce qui fait que justement, ils sont conscients de leur impuissance. Ils ne peuvent pas tenir tête à Leishen, c'est pas possible. Donc pour y remédier, ils mettent au point un stratagème. C'est tout simplement de tenir tête militairement avec une partie de leur défense qui va servir de point de fixation à l'armée Zandalari Mogu. On va pas se mentir, c'est un bain de sang, c'est une boucherie pour eux, ils savent très bien qu'ils partent vers leur mort et qu'ils sont là pour encore une fois protéger la forge de l'origine, donc ils sont là pour protéger, j'allais dire le Val, lapsus, mais protéger du coup Uldum. Et au final, leur objectif c'est de défendre la mission pour laquelle ils ont été créés. Donc au final, certains justement vont bravement sacrifier leur vie afin de tenir le temps justement l'armée, on va dire, Zandalari et Mogu en respect, et pendant ce temps, eh bien, on va rappeler un petit peu à quoi sert la forge de l'origine, l'objectif, c'est que si jamais la planète part en couille et que les dieux très anciens sont en train de gagner, on active la forge de l'origine, et instantanément, la vie sera balayée de la surface d'Azeroth. Ça permettra de faire en sorte que les titans puissent revenir et réordonner Azeroth sans cette fois la présence des dieux très anciens. Le problème, c'est que ça balayerait toute vie sur Terre, enfin toute vie sur Azeroth. Donc, pour éviter de d'anéantir toute vie sur Azeroth, ils vont tout simplement procéder à
à une petite activation, en gros une activette, une activation de la forge de manière localisée. C'est à savoir tout simplement la région d'Uldum, hein, autour de la pyramide, autour du complexe d'Uldum, pour balayer justement les envahisseurs, les armées des envahisseurs. Les défenseurs à l'extérieur se sacrifient encore une fois pour retenir, et en plus de ça, même ceux qui ont survécu au carnage de la, du choc, on va dire, des deux armées, je dirais même des trois armées plutôt, eh bien, ceux qui ont survécu à ça, les Tolvir survivants qui sont à l'extérieur de la pyramide, à l'extérieur du complexe, vont être absolument vaporisés. L'activation de la forge, faut imaginer StarCraft, l'activation Xel'Naga. Non mais c'est tout simplement l'activation de la forge de l'origine, c'est toute la région d'Uldum qui est vitrifiée. Plus de vie, tout est balayé, tout est réduit en cendres. C'est ainsi que Uldum est passé d'une oasis pleine de vie. C'est pour ça que je retire mon mot famine, c'était plus pour montrer que c'était dans la merde, mais il peut y avoir énormément de jungles et autres, et avoir des situations malgré tout de famine, puisque bah, si des peuples arrivent, enfin si des clans arrivent à prendre le dessus sur les autres, ils peuvent les empêcher de se nourrir. Donc, mais à côté de ça, ça sous-entendait que du coup, il y avait pas, c'était déjà un désert. C'est pas le cas. À l'époque, Uldum est une jungle luxuriante. C'est un bassin de vie et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est l'activation de la forge de l'origine qui va réduire en cendres la région d'Uldum. Et qui fait en sorte que ça devienne tout simplement un désert brûlant où la vie ne se remettra jamais vraiment pleinement de cet événement cataclysmique. J'ai envie de dire même tout simplement de ce cataclysme. C'est ce qui fait qu'on connaît le désert d'Uldum aujourd'hui. Alors bien sûr, la vie revient un petit peu avec les siècles. La vie va revenir, mais encore une fois, jamais comme à l'époque. Et c'est un peu, cette vidéo fout un peu un coup de blues, parce que vous verrez que c'est un événement, c'est vraiment la plus grande bataille de l'époque, en fait. Hein. C'est un événement qui va avoir des répercussions très grandes pour les deux empires, ainsi que pour les Tolvir, d'ailleurs. Mais les Tolvir, on s'en fout un petit peu, malheureusement, dans l'histoire de Warcraft, parce que après ça, plus trop. Mais avec notamment l'absence de Leishen, les serviteurs Mogu vont s'inquiéter hein, d'être sans nouvelles de leur monarque, on comprend tout à fait. Leishen avait probablement laissé ses plus proches conseillers en Pandarie, et du coup, ils s'inquiètent. Ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de nouvelles. Parce qu'en fait, encore une fois, toute la région a été réduite en cendres. Tout le monde est mort. Tout le monde a été détruit. Tout le monde a été réduit en cendres. Là, il y a une seule personne qui s'en est sortie. Ou plutôt en partie sortie, devrais-je dire, puisque les serviteurs de Leishen vont partir à l'ouest, vont aller jusqu'à Uldum et ils se rendent compte voilà, ce qu'on leur avait compté, ce qu'on leur avait narré, cette oasis de vie, etc., ces jungles luxuriantes, il n'y a plus rien, c'est un désert, il y a des cendres partout. On voit qu'il y a des traces de bataille, qu'il y a eu des choses, mais tout a été balayé, tout a été vitrifié. Ils ne retrouvent rien à part des cendres et du sable, mais ils trouvent un seul corps, inerte, qui gisent devant les grandes pyramides d'Uldum. Et ça, c'est assez important. Parce que là, vous allez vous me dire, tiens, c'est une petite Bolvar for Dragon, ça. Pas du tout. Pas du tout, c'est là que l'écriture est très intéressante pour le coup, puisque, au final, Leishen, il a les pouvoirs d'un dieu. Il a les pouvoirs de Raden, c'est des pouvoirs immenses. Et je rappelle qu'il maîtrise même pas à 100% les pouvoirs de Raden. Donc il a des pouvoirs inimaginables. Et au moment de l'activation, Leishen, en gros, s'est protégé. Il a encaissé le choc avec une partie de ses pouvoirs. Ce qui fait que ça l'a tué, parce qu'il y a une telle dépense d'énergie haute que ça le tue sur le coup. Mais son corps n'est pas réduit à l'état de poussière comme toute son armée, comme tous les Andalari. Donc, au final, Leishen a réussi à sauver son corps. Il est mort. Mais il a réussi dans l'exercice, mais il a réussi au moins à sauver son corps. C'est ce qui va permettre du coup la récupération du corps de l'empereur par les serviteurs Mogu. Et ça, c'est quelque chose de très très important, puisque les Tolvir vont continuer tout simplement, encore une fois, la garde éternelle, hein, leur mission de protéger Uldum et la forge de l'origine. Le problème, c'est qu'encore une fois, Uldum est devenu un désert, donc ils vont fermer l'accès justement, hein, une fois les serviteurs de Leishen repartis, ils vont fermer le bassin d'Uldum afin d'éviter justement qu'une nouvelle tragédie de ce type revienne. Donc c'est tout simplement le moment où Uldum sera dissimulé aux yeux du monde par les Tolvir. Et la suite de l'histoire Tolvir, malheureusement, on n'en aura aucune news jusqu'à la guerre des sables changeants. C'est même pas eux à l'époque. Tout simplement, on n'aura plus rien sur l'histoire des Tolvir jusqu'à Cataclysme.
Donc, je vous laisse aller voir la vidéo sur Cataclysme. Et ensuite, Battle for Azeroth, où on y reviendra, où ils ont un peu plus de rôle. Hein. Malheureusement, l'histoire des Tolvir à Cataclysme, elle a été malheureusement éclipsée par Indiana Jones. Pour le coup, à Battle for Azeroth, on lui rendra un peu plus honneur, même si c'est pas non plus énorme, on va pas se mentir. Pendant ce temps, bah, les Andalari, comme les Mogu, eux aussi, ils s'alarment, ils s'inquiètent. Hein. Il n'y a plus aucune nouvelle qui a été donnée par... Alors, je rappelle, il y a tout le conseil Zanshuli qui est parti, ainsi que une très grande partie des armées Zandalari. Et dans les armées Zandalari, t'as tout l'état-major, tous les grands généraux, etc. Donc c'est quelque chose qui va choquer et surtout bouleverser profondément l'Empire, puisque ça va tout simplement paralyser le gouvernement, en fait, Zandalari. Et c'est quelque chose qui va, et quand je dis que ça paralyse l'Empire, c'est pendant de nombreux siècles, pendant de nombreux cycles. Pendant très longtemps. Et les Andalari arriveront à terme, sur plusieurs générations, à reprendre des forces et à s'en remettre un petit peu, mais au final, ça sera jamais un retour à l'âge d'or qu'ils ont connu avant les événements de la Forge de l'Origine. Donc au final, on va assister, les Andalari eux-mêmes vont assister à un long et inexorable déclin de leur empire. Ça va se faire petit à petit avec différents événements, mais ça va se faire petit à petit. Et ensuite, eh bien, tout simplement, du côté des Mogu, que je revienne un petit peu là-dessus, sans aux prêtres Zandalari pour accomplir le rituel de résurrection et ramener Leishen, un pas de retour du roi Tonnerre, et c'est ce qui fait que sa dépouille va être conservée dans la tombe des conquérants, qui est située, comme vous le voyez ici, dans les montagnes de Kunlai, en attendant un retour éventuel des Zandalari. Les deux empires vont un petit peu se refermer, pas l'un à l'autre en mode tension, mais c'est plus... Bah, il faut se reconstruire de notre côté, et ça a été tellement une catastrophe qu'il va y avoir un isolationnisme un petit peu, le mot est un peu fort, mais une sorte de repli sur soi des deux empires qui assistent tout simplement à de profonds bouleversements. Et au final, comme Leishen l'avait prévu, retour de l'instabilité chez les Mogu, période de trouble, comme avant son règne, avec une nouvelle période des royaumes combattants, j'ai envie de dire. Donc, avant qu'une nouvelle dynastie se mette en place. Et au final, une dynastie Mogu va se mettre en place, finalement, va réussir à prendre le dessus sur les autres clans Mogu, et au final, les dynasties Mogu se succéderont les unes après les autres, sans jamais pouvoir atteindre l'âge d'or de l'époque de Leishen. Ce qui donne aussi raison à Leishen, hein. Sans lui, la race Mogu est vouée à se faire la guerre entre eux et à péricliter. C'est ce qui fait que, du coup, inexorablement, l'alliance des deux empires ne se remettra jamais pleinement de cet échec et de ce cataclysme qui est arrivé à la Forge de l'Origine. Tout comme les Andalari, la décadence est en marche pour l'Empire Mogu, et un nouvel âge pointe à l'horizon. Évidemment, avec les Pandaren. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo, puisque j'ai décidé de la séparer en deux. Cet événement se termine, nous attaquerons dans la prochaine vidéo la fin de l'Empire Mogu, la fin même, j'ai envie de dire, des deux empires, mais surtout l'Empire Mogu qui laissera sa place à l'Empire Pandaren. Ça nous permettra d'attaquer une histoire un peu plus... une vieille histoire, et d'aller petit à petit vers la période que l'on appelle la Guerre des Anciens, qui marquera un très grand changement dans le monde d'Azeroth. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, à la liker, à la partager autour de vous, puisque malheureusement, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous n'êtes pas concerné, mais c'est vrai que ce genre de vidéo, bah, c'est tout simplement des vidéos connexes, des vidéos annexes à celle de Mist of Pandaria. Donc elle est très importante pour comprendre Mist of Pandaria, et nous, avec Evanessor, hein, qui m'a beaucoup aidé sur cette vidéo, évidemment. Donc je vous invite dans les commentaires à le remercier, mais surtout à le suivre. Dans la description, vous aurez son Twitter et son Twitch, donc n'hésitez pas à le soutenir. Et ça nous permet, pour la vidéo sur Mist of Pandaria, en fait, d'expulser un petit peu ces détails. Comme ça, on n'a pas besoin d'y revenir, et on éludera, on va dire, le truc avec deux petites phrases, et comme ça on dira, bah voilà, allez voir cette vidéo, elle développera beaucoup plus le propos. Le truc, c'est que ces vidéos, bah, récemment, elles marchent pas des masses, hein. Leishen, tout le monde connaît, blablabla, donc on s'en fout. Donc n'hésitez pas à la partager, vraiment, c'est très très sympa de le faire, et de commenter, de liker, ça augmente la visibilité des vidéos, mais aussi de la chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus et en Pandarie. Mais n'hésitez pas d'ailleurs aussi à liker. Donc, comme j'ai dit, les réseaux sociaux d'Eva, donc Twitter, Facebook, YouTube et Twitch, puisque aussi Eva a sa propre chaîne YouTube, mais également les miens. Facebook, Twitter, Discord, tout ça, tout ça. Bisous!